Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grand-mères les bordelais qui boivent du lait. Catastrophe les amis, attentat à Paris là-bas, 11 bordelais se sont fait exploser. On ne connaît pas leur motivation, un message à leur famille. Oh c'est grave la vie de ma mère, oh c'est ça le sommet de la Ligue 1, ils nous prennent pour des cons. Bordeaux invaincu, dans invaincu y'a cul, mais quelle équipe de cul la vie de ma mère. Oh 6-2, c'est pas un score de foot, 6-2 c'est un département, le 6-2, dans l'Oise là-bas, non mais c'est grave. Le Nord-Pas-de-Calais en plus, c'était un viol ce soir. Faut dire la vérité les amis, faut dire la vérité. Oh Malcolm, c'était Doui, voilà. C'était Doui, il est où Francis? C'est lui Malcolm, le futur Ronaldo. Il est pourri la vie de ma mère, Malcolm X. Invisible, tout le lent. Mais qu'est-ce qu'il est lent la vie de ma mère. Oh il est encore plus vieux que le vieux port. Tout le lent, il a construit les pyramides. Tout le lent, il a gagné la Coupe du Monde avec l'Italie en 94. Mais qu'est-ce qu'il fait à Bordeaux encore? Il se retrouve libéraux. Il a commencé attaquant. Lui, plus il vieillit, plus il recule. Dans 2 ans, il est gardien, tout le lent. La vie de ma mère, gardien, frère. Gardien d'immeuble ou de but, je sais pas. Non, mais c'est grave. Faut arrêter ça. Oh, Neymar, il a mis un coup franc. C'est plus Neymar. C'est Neymar, la vie de ma mère. Neymar Adona, qu'est-ce qu'il t'a fait, le mec? Coup franc de 40 mètres. Et le goal de Bordeaux, soi-disant un phénomène. Corsique ou host. La vie de ma mère, c'était, oh là, c'était, fossile, le goal de Bordeaux. Un fossile au sol. Il était là. C'est quoi ce mec, hostile? Arrête un peu. Il est pourri. Dégueulasse. L'équipe de Bordeaux, nul à chier. Faut dire la vérité. Il y a que Sankaré, il a fait quelque chose. Mais après, faut arrêter, frère. Des Toulalans, des Malcolm, frère. Des imitations. Malcommerce, un commerçant, frère. C'est un commerçant. Faut arrêter. Oh, Mbappé, frère. Oh, 3000 passes décisives. Il a encore marqué. Il a aucune émotion avec sa tête énorme. Il a une tête énorme. Lui, il peut pas prendre la grosse tête. Sa tête, elle est déjà grosse. Elle est énorme. C'est un truc de fou, c'est Mbappé. Tête de noisette. Donc Mbappé qui est là, le mec à la fin du match. Alors Mbappé, vous êtes content de votre match? Non, je suis débutatif quant à la performance croissante exponentielle de mon équipe. Oh le mec, c'est un prof de maths, la vie de ma mère. Oh Mbappé, on dirait un costard, un trader le type. C'est incroyable ça. Oh comme il est mature, j'en suis sûr, il a 40 ans. Je demande à voir les papiers. Oh Cavani, qu'est-ce qu'ils ont les commentateurs? À chaque fois que Neymar fait une passe à Cavani, nous avons la réponse. Ils ont fait la paix, mais lâchez-nous, bande de suceurs. C'est plus Canal Plus, c'est Canal Sus. Oh, Stéphane Guillotine. Stéphane Gay, il était là. Neymar! Une touche, c'était une touche, frère. Pour une touche, voilà. Neymar. Après, t'es un joueur de Bordeaux. Il a fait une petite balayette à Neymar. Il mérite le rouge. Neymar, il frôle le poteau. Un orgasme, la vie de ma mère. C'est un truc de fou. Bientôt, Stéphane Guy, il va accoucher du bébé de Neymar. Des jumeaux, je vous le dis, moi. Je vous le dis, non, mais c'est incroyable. Oh, c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Donc, voilà. Après, je comprends pas Cavani, il tire pas les pénalties, finalement. Nasser, il a dû lui lâcher un billet. C'est pas possible. Et pareil, Canal Plus, qui va tirer le penalty? Et c'est Neymar qui tire. Laissez les légendes tirer les penalties. Après Neymar, je pense qu'il est plus dans un truc d'aller dans une légende. Et c'est bon, il a fait un match de fou. Faut dire la vérité, Neymar, il a fait un gros match. Mais le goal, voilà, c'est incroyable ça, c'est incroyable. Il est resté appuyé sur pause. Il a regardé le ballon comme ça, frère. Il a dit, oh mon pote, oh, de 40 mètres les amis. Même à FIFA, j'ai jamais mis un coup franc comme ça. C'est incroyable ça. On dirait que c'était un penalty. Donc voilà. Oh, 5-1 à la mi-temps. J'ai cru que ça allait finir en 78-2 le match. La vie de ma mère, je croyais que ça allait finir en 78-2. Oh, c'était la démontada. Bordeaux, nul à chier, gourde vénère. La vie de ma mère, une gourde qui est vénère. Faut dire la vérité, il est énervé là. Il est pas bien. Ils vont rentrer à Bordeaux. C'est à 6000 km. Ils sont venus en RER, ces clochards. Ils ont même pas d'argent et c'est eux qui ont payé leur billet. Club dégueulasse. Ville.
fantômes, personne, toutes les gens, toutes les personnes qui sont nées à Bordeaux à 18 ans, ils se cassent de Bordeaux, il n'y a rien là-bas. Ils nous disent, ouais, Bordeaux, c'est une ville propre, c'est normal, il n'y a personne. C'est normal, frère, c'est Tchernobyl, frère. Donc voilà, les amis, Bordeaux, grosse défaite, je pense que Bordeaux en chute libre, on va les voir. Ils vont finir 19e, la vie de ma mère, ils vont galérer. Et ça vous apprendra à donner votre petit fion au PSG comme ça, parce qu'il n'y avait aucun sursaut d'orgueil. Même à 6-1, ils étaient là, on dirait jouer le score. Ouais, on est bien, 6-1, on a... Ouais, c'est grave.